Donc notre monde a été impacté par différentes évolutions technologiques. Donc en 1712, il y a eu l'invention de la machine à vapeur. En 1862, le moteur à explosion. Et on a eu une troisième grosse invention qui a impacté notre monde, qui est l'invention d'Internet, en 1989, qui a permis la naissance de l'écriture numérique, donc qui est la troisième révolution du signe, selon Serre et Le Gros, après l'écriture et l'imprimerie. Nous avons vécu aussi ces derniers temps une forte accélération des changements techniques. Donc là, vous avez une représentation issue de Balaguer de Fayon de 2010 qui vous montre que finalement, pour toucher 50 millions d'utilisateurs, il a fallu 38 ans à la radio, 13 ans à la télé, 4 ans à Internet, 3 ans pour l'iPod, et il a fallu que 9 mois pour toucher plus d'un million d'utilisateurs via Facebook. Alors, cette invention d'Internet, finalement, a permis la modification de nombreuses choses, y compris nos pratiques, a changé notre façon de penser et même de nous former. Plus récemment, vous avez sûrement entendu parler des MOOC, donc ces fameux cours à distance, ouverts à tous. Donc, vous pouvez suivre aujourd'hui des cours dans n'importe quelle université du monde entier. Donc le numérique nous a permis finalement des modifications profondes de nos pratiques. Aujourd'hui, grâce à Internet, toute la connaissance du monde est accessible dans le creux de notre main, d'un simple clic du doigt. Et les opérateurs téléphoniques nous montrent même que nous sommes dépendants finalement de certains outils numériques, puisque Samsung disait avec son Galaxy S4, « Mon smartphone, ma vie ». Alors avec tout cela, il y a des représentations qui se sont mises en marche à propos de la jeunesse, puisqu'on s'est dit qu'aujourd'hui, ce qui change, c'est que les jeunes sont nés avec les outils numériques, ce que les autres jeunes n'avaient pas eu jusqu'à présent. Donc on a eu plusieurs termes qui ont émergé, donc les digital natives en 2001 par le biais de Mark Prensky, les enfants du numérique, ça c'est plutôt une appellation canadienne. La génération Y, qui a un peu émergé dans le monde entier, y compris en France. Et de toutes, finalement, ces représentations, on peut se poser des questions. C'est finalement, les capacités du numérique de ces jeunes sont-elles innées? En fait, en tout cas, c'est ce que les médias veulent bien nous faire croire. Ici, je vous ai fait des captures d'écran d'un spot publicitaire qui a été initié en Inde. Donc, c'est un fournisseur de téléphonie mobile en Inde qui a fait un spot publicitaire montrant finalement ses capacités innées des jeunes. Donc on voit finalement une salle d'accouchement, je ne vous ai pas passé le film, mais donc sur cette capture d'écran, vous voyez donc un accouchement et donc le bébé, dès la naissance, il se servir d'une tablette, d'un smartphone. Il va tout de suite intégrer son identité numérique sur les différents réseaux sociaux, donc vous voyez YouTube, Facebook, et donc il s'en va avec un smartphone grâce à la géolocalisation. Alors fort de tous ces constats, finalement, fin 2009, je me suis posé la question de savoir si effectivement ces jeunes de la génération Y avaient bien des compétences innées et avaient bien des facultés différentes des nôtres. Donc j'ai commencé une thèse en 2009, sur les usages des ressources numériques chez les jeunes de 15 à 25 ans. Donc, c'était une recherche descriptive sur les usages et sur les pratiques des jeunes, des ressources numériques et puis, plus spécifiquement, des ressources numériques dédiées à l'apprentissage. Et cette thèse, c'est l'évaluation prospective, elle s'est terminée en 2013. Et je vais vous parler d'une deuxième recherche, en fait, puisque parallèlement à tout cela, un mouvement de recherche se situe sur l'auto-formation. Donc, on dit que les gens n'apprennent pas spécifiquement que dans des lieux formels ni dans des situations formelles d'apprentissage. Donc là, vous avez un certain nombre d'auteurs auxquels je fais référence. Et que des attitudes nouvelles d'apprentissage se dessinent. Donc, j'ai voulu aussi voir ce qui se passait chez les jeunes en termes de ce que moi j'appelle l'auto-formation numérique. Alors là, je vous présente mes trois études, donc deux qualitatives, une sur les pratiques numériques, donc issues de ma thèse, et une autre sur l'auto-formation numérique que j'ai réalisée il y a un an et demi.
et une quantitative, issue de ma thèse aussi, sur les pratiques numériques des jeunes. Vous voyez, la première qualitative concerne 12 jeunes de 15, 20, 25 ans, la deuxième, 39 jeunes de 21 à 25 ans, et l'étude quantitative, 156 jeunes de 15 à 25 ans, qui elle était inclue dans une grosse étude quantitative de 846 personnes, mais là, des personnes âgées de 15 à 78 ans. Donc là, je ne voulais vous parler que celle qui concerne les 15-25 ans. Je vais commencer par l'étude quantitative. Donc, c'était un questionnaire numérique qui a été envoyé donc, à plus de 800 personnes, dont 105 jeunes, qui concernait les usages et les pratiques des outils numériques. Alors, dans le sens de pratique, hein, puisque donc là, j'ai fait ma thèse en sciences de l'information et de la communication, donc Jouet parle de pratique comme une ressource, une notion pardon, qui recouvre non seulement l'emploi de la technique, l'usage, mais aussi les comportements, les attitudes, les représentations des individus qui se rapportent directement ou indirectement à l'outil. Donc on voit que la pratique n'est pas seule en fait. Hein. On y amène un certain nombre de choses individuelles lorsqu'on on pratique un outil. La deuxième séquence était, je voulais un peu observer ce qui se passait au niveau des pratiques de formation et plus spécifiquement au niveau de l'auto-formation, hein, c'est ce qui était un peu visé là-dessus, lors d'un nouvel apprentissage. Et puis la troisième partie qui a été observée, ce sont les perceptions. Alors là, pareil, je vous donne une définition des perceptions au sens d'Edgar Morin, qui dit que les perceptions sont obtenues par un processus de construction, la perception étant une action du réel sur nos sens, mémoire et fantasmes. Donc là, c'est pareil. Hein. On voit que finalement, les perceptions ne sont pas anodines de l'environnement qui nous entoure. Et surtout, il n'est pas facile de changer une représentation car elle est stable et cohérente pour l'individu. Donc, ma première étude qualitative issue de ma thèse, donc là, ce sont des entretiens semi-directifs. Donc, j'ai commencé par entendre en fait, ces jeunes sur leurs pratiques. Ensuite, la deuxième partie, je les ai observés sur des artefacts, des situations d'artefacts. Et ensuite, j'ai fait une confrontation entre ce qu'ils m'avaient dit avant et sur ce qu'ils ont fait après. En fait, je leur ai montré la vidéo de passation. Donc, les quatre situations d'artefacts, c'était une recherche d'informations sur Google, un serious game d'éducation critique à Internet pour les adolescents. Donc là, on faisait une simulation un peu d'un réseau social type Facebook, un module e-learning sur le développement durable et enfin un jeu de gestion d'une ville. C'était SimCity New York. La deuxième étude qualitative, c'était aussi des entretiens semi-dirigés. Donc là, avec des étudiants en Master 1 et 2 que j'avais en cours, en sciences de gestion, mais pour lesquels ils ont une option TIC. Donc ils sont très impliqués en fait, dans le numérique. Là, le but était d'écouter leurs pratiques d'auto-formation, que moi j'appelle numérique, dans la vie courante. Alors, les résultats, en ce qui concerne l'étude quantitative, donc celle qui était inclue dans ma thèse, alors je tiens à préciser que c'est une étude qualitative, donc les résultats précisés ici ne sont que des pistes. On ne va nullement généraliser les résultats que je vais vous montrer, mais toutefois, ça donne des pistes qui ont été confirmées par d'autres études. Mais voilà, il y avait quand même que 12 cas, donc il faut faire attention quand même sur ce que je vais vous annoncer. Donc, ce qui est de premier réflexe de la recherche d'informations sur Google. Donc, aujourd'hui, tout le monde recherche sur Google, 98%. Donc, ça, c'est l'ensemble des Français, donc pas que les jeunes. Une pratique différenciée suivant la sphère scolaire, universitaire et sphère privée. C'est-à-dire que lorsque ces jeunes doivent réaliser quelque chose, ils n'ont pas les mêmes pratiques si la destination est privée ou si la destination est universitaire ou professionnelle. Des perceptions d'apprentissage mitigées vis-à-vis des jeux vidéo. La place de la motivation plaisir-utilité dans l'usage des ressources numériques. Donc, contrairement à ce qu'on aurait pu penser finalement, l'utilisation des ressources numériques par les jeunes n'apporte pas forcément du plaisir.
Et pour la plupart du temps, il y a une mixité plaisir-utilité, mais beaucoup aussi par utilité. Un renforcement de l'apprentissage par soi-même, donc en auto-formation au détriment de celui par les professionnels de l'éducation et même par les pairs. Et là, je vous donne un exemple. Pour un nouvel apprentissage, 86% de ces jeunes sont dans une dynamique d'auto-formation pour un nouvel apprentissage. 12 seulement font appel aux amis ou à la famille, mais vraiment physique par contre. Et 2% appellent aux enseignants. Les résultats de l'étude qualitative, donc là globalement, j'ai pu observer une maîtrise relative des outils technologiques chez ces jeunes, avec une rapidité d'exécution, peut-être un peu trop, puisque je me suis aperçue que finalement, en voulant faire trop vite, ils n'ont pas forcément respecté les consignes. Une gestion assez facile de la multi-activité, du temps et de l'espace. Malgré tout, j'ai pu observer chez ces jeunes, donc là qui étaient d'un petit effectif malgré tout, une forte tendance au scanning, là, quels que soient les âges, et une difficulté d'attention sur le long terme. Alors là, excepté pour les joueurs de jeux vidéo, donc là il faudrait vraiment approfondir pour voir s'il y a vraiment une corrélation entre cette attention beaucoup plus soutenue chez les joueurs de jeux vidéo ou pas. Et bon, c'est ce que j'ai remarqué à ce niveau-là. Un manque de rigueur par rapport aux consignes de base qui avaient été données, excepté encore pour les joueurs de jeux vidéo qui paraissaient beaucoup plus attentifs aux consignes. Et puis savoir chercher l'information de façon efficace, l'analyser, acquérir un sens critique, leur a fait énormément défaut. J'ai pu observer un écart certain entre ce que les jeunes disent faire ou croient savoir faire ou ce qu'ils font réellement. Alors là, je pense que c'est un peu l'impact des médias. Ils ont en général une forte estime d'eux-mêmes et de leur capacité en fait, face au numérique. Et certains ont été assez surpris finalement de voir qu'ils n'étaient pas à la hauteur de ce qu'ils avaient cru savoir faire avant d'être en situation d'être sur le terrain. Une difficulté aussi à prendre en main de nouveaux environnements en un minimum de temps, pour tous ceux qui n'aiment pas les jeux vidéo, encore une fois, ou ceux qui ne sont pas joueurs, et une recherche d'informations très intuitive sur Google. Donc, ils ne suivent pas du tout la recherche cadrée qu'on peut leur apprendre, finalement, en CDI ou en recherche d'informations, même s'ils sont conscients de cette méthode, ils ne l'appliquent pas vraiment sur le terrain. Pour ces personnes, la formation à distance ou les modules... La formation à distance, en fait, n'est pas forcément plébiscitée, sauf si ça peut leur éviter d'aller en cours. Elle est plutôt plébiscitée en module de complément à la formation présentielle, mais pas pour remplacer la formation présentielle. En ce qui concerne les serious games et les jeux vidéo, il y a un manque certain pour ce manque de format, notamment chez les non-joueurs, parce que là, du coup, la perception d'apprentissage n'est vraiment pas bonne pour ces personnes. Donc, là encore, j'ai pu observer une pratique différenciée suivant la sphère privée et la sphère professionnelle, donc des différentes pratiques. Des perceptions très diversifiées d'apprentissage vis-à-vis de la formation à distance, de la simulation et des jeux. Donc toujours pareil, les personnes qui sont habituées à jouer finalement sont un peu plus favorables finalement à ces différents supports que les autres. Et j'ai pu observer aussi que finalement, l'usage du support dépendait plus de la motivation et de la perception du gain potentiel. C'est-à-dire que même des gens qui étaient réfractaires au serious game se disaient que dans certains cas, ça pouvait être pertinent, finalement, s'ils en voyaient le gain potentiel. Au niveau de la deuxième étude qualitative, donc je vous rappelle que là, ce sont des étudiants en master 1 et 2, sur l'auto-formation numérique. Donc effectivement, j'ai choisi là un corpus de personnes qui avaient l'habitude de se débrouiller seules sur le web. J'ai quand même remarqué des choses et l'impact aussi de la représentation du numérique dans la société. Parce que là, ce sont des jeunes qui sont en alternance, qui sont à l'université et en entreprise. Et ces jeunes, en général, peuvent travailler comme community manager ou comme web designer.
Et là, beaucoup, en fait, m'ont dit que dans l'entreprise, quand on recrute un jeune aujourd'hui, on s'attend à ce que ces jeunes aient l'ensemble des compétences et des connaissances requises pour intégrer ce job directement. Et donc, là, je vous ai mis un verbatim intéressant d'Alexandra, 24 ans, qui m'a dit « On n'a plus le choix, surtout quand on est jeune, donc on est obligé de s'auto-former. » Parce que quand on est jeune, on est obligé d'arriver avec certaines compétences dans l'entreprise. Et entre autres, là, elle m'a dit au travail, il a fallu que je me débrouille et que je me forme en allant sur des sites où il y avait des tutoriels et des sites où les développeurs mettent leurs fiches et codes en commun si on cherche des trucs spécifiques. Parce que d'une part, dans l'entreprise, elle ne trouvait pas la ressource pour pouvoir l'aider. Et étant jeune, elle ne pouvait pas se permettre non plus de demander finalement à des adultes, entre guillemets, qu'on l'aide. Autre observation, Internet est perçu chez jeunes qui ont l'habitude de s'auto-former sur Internet, comme une source merveilleuse de savoir. Et donc certains, dont Guillaume, m'ont dit que ça ne sert plus à rien d'aller en cours, de se déplacer, car on trouve la doc sur Internet, on trouve tout sur Internet. Il m'a dit c'est encore pire depuis qu'on a instauré les MOOC. Donc pour lui, finalement, la formation en présentiel ne sert plus à grand-chose. Et un autre, Thomas, 24 ans, m'a dit que sur Twitter, maintenant, on sait tout ce qu'il ne faut pas rater. Donc, lui fait sa veille essentiellement sur Twitter. Donc, je vous rappelle que ce sont quand même des jeunes, en fait, particuliers, hein, puisqu'ils sont, on va dire, identifiés comme des geeks dans la société. Hein. Donc, ce ne sont pas tous les jeunes. Hein. Je rappelle bien que c'est une enquête qualitative. Et enfin, Internet est des fois comparé comme une caverne d'Alibaba. Donc on peut tout y trouver, et on y trouve aussi dans les verbatims des attributs de richesse, merveilleux, extraordinaire. Et donc il y en a même un qui m'a dit qu'Internet était une bibliothèque mondiale. De l'ensemble de ces résultats, on a quand même des représentations communes, donc une perception d'Internet comme un endroit où on peut trouver une réponse à tous nos problèmes. Donc beaucoup sont friands des forums, hein. Un certain nombre d'étudiants m'ont dit que dès qu'ils avaient un problème, ils allaient sur Google et poser la question. Ils trouvaient forcément un forum où quelqu'un avait eu la même situation, le même problème qu'eux. Certains m'ont même dit « Google est ton ami, donc si tu as un problème, va parler à Google, il trouvera la solution ». Un sentiment de capacité de recherche quasi innée, donc chez l'ensemble des jeunes que j'ai observés, que j'ai interviewés, et puis à chaque fois que j'ai une nouvelle promo en tant qu'enseignante, je pose toujours ces petits questionnaires, et donc je vois que finalement, ce sentiment de capacité de recherche quasi innée ressort quasiment systématiquement, avec une perception d'auto-efficacité très forte, qui est sûrement dû par contamination médiatique, hein, puisque on dit que les jeunes ont des capacités innées dans les médias. Pour la plupart aussi, les jeux vidéo sont là pour les distraire et non pour apprendre. Donc là, on voit bien la différenciation encore sphère privée, sphère professionnelle. C'est-à-dire que les jeux sont là pour la sphère privée. Dès qu'on l'intègre dans la sphère professionnelle ou dans la sphère universitaire, eh ben, ça devient à nouveau un outil qui va être un peu plus problématique et qui ne va pas forcément apporter du plaisir. Au niveau des serious games, ils sont représentés comme étant des dispositifs créés par les institutions. Donc toujours pareil, quand c'est créé par l'institution, et ben, finalement, dans la tête de ces jeunes, ça pose un peu problème. Donc on voit un peu un sentiment d'ennui avec, de toute façon, une préférence pour la formation présentielle. Et donc peut être éventuellement utile en complément d'un cours. Donc certains étudiants m'ont dit, pourquoi pas en chimie, en physique, mettre des serious games avec des simulations, ça pourrait servir, mais pas pour l'ensemble des enseignements. Et enfin, au niveau du e-learning, donc là, ça leur paraissait intéressant pour éviter les déplacements, mais malgré tout, il y a une sensation d'isolement, et beaucoup ont eu le réflexe de se dire qu'ils n'étaient peut-être pas finalement assez autonomes pour pouvoir rentrer dans ce processus-là. Alors, on voit bien quand même qu'il y a des limites à l'auto-formation numérique. Hein. Ce n'est pas parce que vous allez faire un MOOC dans un enseignement que vous allez vraiment vous en sortir. Donc là, je vous ai mis une petite référence dans la bulle qui fait référence en fait à un cours de médecine, de première année de médecine. Et finalement, en l'absence de guide ou d'accompagnateur,
les jeunes utilisent les technologies de façon intuitive, sans avoir acquis toutes les compétences nécessaires, et notamment les compétences liées à la littératie numérique. Et donc, évidemment, chez les jeunes, le numérique n'est pas inné, hein, vous l'aviez bien compris, mais doit faire aussi l'objet d'un processus d'apprentissage. Donc, je vais repasser brièvement la notion de littératie numérique hein, pour ceux qui n'ont pas peut-être bien en tête hein, les différentes catégories de cette notion. Donc là, je vous rappelle la définition de l'OCDE en 2000, qui parlait que de la littératie simplement, donc qui est l'aptitude à comprendre et à utiliser l'information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité en but d'atteindre des buts personnels et d'étendre ses connaissances et ses capacités. Alors on peut lui ajouter le terme de numérique, hein, puisque là, du coup, ça serait à utiliser l'information numérique à la place de l'information écrite, hein, mais le reste de la définition resterait exactement la même. Donc il y a une nécessité aujourd'hui pour l'ensemble des jeunes d'acquérir ces compétences de la littératie numérique, donc entre autres de développer des connaissances, de renforcer les valeurs, donc les valeurs éthiques, hein, entre autres par rapport aux réseaux sociaux, et de posséder des aptitudes adaptées au numérique, donc qui fait cruellement défaut aujourd'hui, c'est la pensée critique, hein, qui va de la pensée critique à la gestion de l'information et de la communication. Il y a Alouche, là, en 2014, qui lui a produit une définition aussi de la littératie numérique, qui est un ensemble de compétences qui permettent d'évoluer de façon critique et créative, autonome et socialisée dans l'environnement médiatique contemporain. Et vous avez donc une autre définition de Thomas, en fait, en 2007, qui a été traduite. Et donc, c'est une habilité à lire, écrire et interagir par le biais de plateformes, d'outils et de moyens de communication, de l'iconographie à l'oralité, en passant par l'écriture manuscrite, l'édition, la télé, la radio et le cinéma, jusqu'aux réseaux sociaux. Alors, les compétences en littératie numérique, il y en a trois grands domaines. Donc, il y a déjà utiliser, qui réfère à l'acquisition des connaissances techniques permettant d'utiliser aisément l'ordinateur et Internet. Donc là, je vous ai mis un exemple. Donc, savoir utiliser les logiciels de traitement de texte, les navigateurs, les mails et tous les autres outils de communication qui permettront d'avoir accès et d'utiliser des ressources d'information plus spécifiques par la suite, comme les bases de données ou le cloud computing. Le deuxième grand groupe, c'est comprendre. Donc là, c'est acquérir un ensemble de compétences pour saisir, mettre en contexte, évaluer les médias numériques de façon à permettre de prendre des décisions. Donc c'est également savoir reconnaître de quelle manière les technologies agissent sur notre comportement et sur nos perceptions, nos croyances, nos sentiments vis-à-vis du monde qui nous entoure. Et c'est également comprendre pour nous aider à appréhender le savoir pendant que nous faisons l'acquisition d'aptitudes en gestion pour trouver, évaluer et utiliser à bon escient l'information pour communiquer, collaborer et trouver des solutions à nos problèmes. Et enfin, le dernier groupe, c'est créer, c'est savoir produire des contenus et communiquer efficacement par le biais des outils et des médias numériques. Donc ça suppose un certain nombre de compétences, hein, comme associer l'image, le son, la vidéo, et utiliser de manière efficace et responsable le contenu généré par les utilisateurs et le web 2.0. Alors la littératie numérique ne se limite pas au savoir technologique, hein. Elle comprend également des pratiques éthiques et sociales réfléchies au quotidien. La littératie numérique est aussi alimentée par différentes littératies, comme la littératie médiatique, la littératie technologique, informative, visuelle et de la communication sociale. Alors Jenkins, en 2006, identifiait des nouvelles compétences. Donc, je ne vais pas vous les citer exactement, hein. ce n'est pas le but là, de cette conférence, hein. Mais qui sont fondées sur des aptitudes sociales,
Donc pour lui, il faudrait renforcer le jeu, donc expérimenter son environnement, la performance, adopter une multitude de rôles en alternance dans le but d'improviser et de découvrir, la simulation, interpréter et créer des représentations dynamiques de nos mécanismes ayant cours dans la vie quotidienne, l'appropriation, donc reprendre un contenu média et en faire un nouveau traitement, donc sans faire du copier-coller, évidemment. Le multitâche, scanner notre environnement et nous concentrer par alternance sur un point précis dès que nécessaire. La cognition répartie, l'usage efficace des outils élargissant nos capacités intellectuelles. L'intelligence collective, partager notre savoir et comparer nos réflexions pour l'atteinte d'un but commun. Le jugement, évaluer le bien fondé et la fiabilité des diverses sources d'informations. La navigation transmédia. Le réseautage, la négociation. Et donc là, je vais terminer par la littératie numérique qui repose en fait sur 6 normes, parce que bon, tout ça, c'est bien joli, mais en fait, sur ce quoi nous devons nous concentrer, c'est la créativité et l'innovation, on entend beaucoup parler en ce moment, la communication et la collaboration, l'aisance en recherche d'informations, la pensée critique, qui est vraiment très utile lorsqu'on recherche de l'information, la résolution de problèmes et la prise de décision, qui est une compétence très recherchée en entreprise, et la citoyenneté numérique. Alors, les pistes pour promouvoir la littératie numérique en cours, donc moi, je m'inspire finalement de ces pistes dans mes propres cours. Alors, c'est peut-être beaucoup plus facile à l'université que dans des classes de primaire. Mais à chaque situation d'apprentissage, ce qu'il faut, c'est étudier le cas avec des ressources en ligne à chaque fois que c'est possible. Alors, effectivement, moi, dans mes cours, c'est peut-être beaucoup plus aisé que pour certaines autres personnes. Faire une recherche d'information aux étudiants. Appliquer la résolution de problèmes par essai-erreur, hein, puisque ça marche bien, ça motive bien les étudiants. Créer des situations d'interaction sociale avec le groupe et entre pairs, et intégrer des dynamiques de jeu, alors pas forcément intégrer du jeu, mais vraiment la dynamique du jeu, c'est-à-dire le challenge, le dépassement de soi et les émotions. Alors pour conclure, avec le numérique, il y a un certain nombre de choses qui ont changé. Donc les technologies nous ont poussés à externaliser notre mémoire et à mettre en place des nouvelles pratiques, des nouveaux usages, voire des nouvelles stratégies d'apprentissage. La technologie occupe une place très importante dans notre vie et dans notre processus d'apprentissage aujourd'hui. Malgré tout, il y a quand même des choses qui ne changeront pas, même avec le numérique. Donc, c'est le traitement de l'information et la prise de recul avec une analyse critique. Ce qui ne changera pas non plus, ce sont les différents ressorts de la motivation, donc je fais référence à Bandura et DC Ryan, avec l'action à entreprendre qui doit avoir une valeur pour l'individu, et puis la probabilité de réussite élevée. C'est-à-dire que quand vous entreprenez un apprentissage, si vous savez à la base que vous n'y arriverez pas, vous avez beau mettre en place toutes les stratégies, tous les outils numériques ou pas en place, ça ne marchera pas. Et enfin, l'ensemble de ces résultats confirme bien les questions de la compétence à l'usage des ressources numériques et pose bien la problématique de l'accompagnement finalement à l'acquisition de cette compétence au numérique et surtout d'une nouvelle fracture qui en émerge. Donc là, je poursuis mes recherches maintenant sur l'impact du milieu familial sur l'usage des ressources numériques et sur les représentations qu'on en a du numérique. Et malheureusement, on voit qu'il y a une fracture qui est en train d'émerger. La fracture n'est plus entre ceux qui ont la technologie et ceux qui ne l'ont pas. La fracture, elle se fait plutôt sur comment on va se servir des outils numériques qui nous sont offerts aujourd'hui et comment on va les appréhender. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'attends vos questions.
propos de ce que vous disiez sur la représentation, vous avez utilisé le terme mitigé des jeux vidéo. Qu'est-ce que vous entendiez par, alors, par là? Donc j'ai observé que chez les joueurs de jeux vidéo, la perception d'apprentissage était assez forte chez eux. En fait, ils avaient vraiment l'impression d'acquérir des techniques, des connaissances via les jeux vidéo. J'ai même des étudiants qui m'ont dit que, par exemple, sur les derniers jeux vidéo qui sortent sur l'histoire là, de Paris, ils avaient appris énormément de choses. Et comme ce sont des historiens en fait, qui ont participé à la création de ce jeu, ils se disent que c'est vraiment intéressant d'apprendre de façon ludique finalement l'histoire, l'histoire de France. Par contre, chez les autres, chez ceux qui n'ont pas l'habitude de se servir des jeux vidéo ou qui n'aiment pas les jeux vidéo, ils ont une impression, mais vraiment quasi nulle, hein, d'apprentissage, perception d'apprentissage avec ces supports. Mais il faut rester prudent, hein, puisque là, mon étude, hein, comme je dis, ce sont vraiment des petits effectifs. Donc, j'ai fait plusieurs études avec des petits effectifs. À chaque fois, on arrive à la même conclusion. Malgré tout, on ne va pas généraliser, hein, puisqu'il faudrait faire vraiment une enquête à grande échelle pour pouvoir le faire. Mais on voit quand même qu'il y a des pistes. Hein, il y a des choses à creuser de ce côté-là. Et puis, il y a des chercheurs quand même qui ont mis en évidence qu'effectivement, les joueurs avaient des habiletés un peu supérieures aux autres. Je m'interroge juste si vous aviez fait une différence entre filles et garçons par rapport à tout ça, aux usages du numérique. Parce que les jeux vidéo, en général, je vois avec les élèves, c'est plutôt les garçons. Et lorsqu'il y a quelque chose de numérique, c'est souvent eux qui sont un petit peu plus motivés. Alors là, je vais plutôt vous répondre par rapport à mon enquête massive, quantitative, hein, parce que c'est vrai que mon enquête qualitative n'est pas représentative, même si j'avais fait moitié-moitié. Non, je n'ai pas vu vraiment de différence significative entre les garçons et les filles, hein, puisque de toute façon, les filles, elles sont beaucoup plus accro aux petits jeux qu'il y a sur les smartphones, où là, vraiment, elles explosent tout. Et les garçons un peu plus sur les consoles. Alors effectivement, il y a peut-être une différence d'usage. Les garçons sont plus côté console et plutôt jeux en ligne. Et les filles plutôt petits jeux ou jeux collaboratifs sur la Wii, par exemple. Des jeux en fait en groupe, entre copines. Mais ce n'est pas franchement significatif. J'ai une question relative à la... Comment dire Je réfléchis à la volonté politique de faire rentrer le numérique à l'école. Et je me demande finalement à quoi ça sert, parce que d'après votre exposé, on a l'impression que les jeunes s'en sortent très bien tout seuls, et c'est effectivement l'impression que j'ai. Et vu de ce point de vue-là, quel est l'intérêt de faire rentrer le numérique à l'école comme ça semble être un objectif? Alors, on a l'impression qu'ils s'en sortent tout seuls. Et effectivement, ils ont ce qu'on appelle des habiletés en fait, à se servir des outils numériques. Par contre, la pensée critique, et ça, je pense que je l'ai mis dans le PowerPoint, ils ne l'ont pas du tout. Donc, ils ont besoin de guides. Et moi, étant enseignante dans le numérique, j'ai quand même des jeunes entre 19 et 25 ans. Et effectivement, début d'année, ils ont l'impression, comme je vous disais, d'un sentiment d'efficacité, d'efficacité personnelle très élevé. Donc en se disant, mais moi, de toute façon, on me met devant un ordinateur, je vais trouver la réponse à tout. Et puis après, finalement, quand on les met face à des problématiques universitaires, et ben là, ils nous disent, mais finalement, oui, j'y arrive pas, donc j'ai besoin de vous pour avoir une méthodologie. Donc ils sont très demandeurs d'une méthodologie, et ils sont très demandeurs d'un guide, en fait. Donc à chaque fois, quand je leur disais, est-ce qu'on peut supprimer l'enseignant? Donc c'est quand même une question un peu provocatrice. À chaque fois, ils m'ont dit non, on aura toujours besoin des enseignants puisqu'on a toujours besoin d'un guide, en fait. Mais il faut les mettre face, finalement, à leurs échecs, entre guillemets. Donc, ils s'aperçoivent après de leur faiblesse, notamment en recherche d'informations. Ils sont très au clair sur le fait qu'ils n'ont pas d'analyse critique. Souvent, ils prennent l'information telle qu'elle arrive. Moi, j'avais la chance de diriger un cours sur la recherche d'informations. Et je leur faisais faire souvent des revues de presse sur les thèmes d'actualité. Et ben, on peut s'apercevoir qu'en général, les jeunes vont prendre l'actualité qui arrive comme ça sur les réseaux sociaux ou sur MSN ou sur les différents supports qu'on peut trouver sur Internet de façon brute et vont répercuter l'information sur les réseaux sociaux sans avoir pris de recul ou sans avoir fait une analyse critique des choses. Et donc, à la fin de ce cours, ils m'ont tous dit « Mais maintenant, on va faire attention quand on va répercuter l'information. » Sauf que je me disais, c'était peut-être un peu tard. Là, ils étaient en M2, donc c'est
mieux tard que jamais, mais c'était peut-être un peu tard finalement pour cette prise de conscience. Parce que malheureusement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, tout se passe sur les réseaux et que les jeunes, dès qu'ils ont une information, ils la colportent. Et donc, ça fait une traînée de poudre. Donc, je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question. Pas une question, mais une réaction. Et justement, ça complète un petit peu ce que disait la personne précédente. Je pense que le rôle de l'école, c'est à la fois... les enjeux citoyens par rapport aux outils numériques. Là, on en est tous convaincus, vous en avez parlé au début. Nos missions, c'est ça. C'est notre première mission. Il y en a une deuxième aussi. J'ai été frappé par la remarque, je crois que c'était Alexandra, 24 ans, là, qui disait ben moi, j'ai dû me former toute seule. La mission de l'école de la République, c'est aussi de former des jeunes. Pour qu'ils se débrouillent le mieux possible dans leur vie d'adulte. Et ça interpelle ce genre de réaction. Parce que ça veut dire que si elle est obligée de se former, et je pense qu'après, elle était rentrée dans l'entreprise déjà ou, Elle était en alternance. En alternance. Elle a dû recevoir ça avec violence et il devait lui manquer pas mal de choses. Et voilà. Donc notre rôle dans l'école, hein, puisque moi je suis chef d'établissement adjoint, c'est aussi de les préparer du mieux qu'on peut à ces outils numériques et à l'usage qu'ils vont faire dans leur vie professionnelle ensuite. Ça ne peut pas être que ça, parce qu'il y a les enjeux citoyens et la prise de conscience qui est, je crois, encore au-dessus, mais c'est aussi de les former du mieux possible. Et c'est dans ce sens-là que les évolutions vont certainement aller, puisqu'on parle de l'introduction du code, etc. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas si facile que ça, parce que là, effectivement, elle avait des problématiques de code, hein, sauf que, effectivement, sont dans les débats actuels. Le problème, c'est qu'il faudrait les initier au code, les initier à l'ergonomie du web, les initier à énormément de choses. Et c'est vrai que les programmes étant déjà tellement énormes, il ne faudrait pas que ça vienne non plus supprimer d'autres compétences dites essentielles aussi. Donc c'est vrai que ce n'est pas évident. Effectivement, il faudrait les aider à se préparer. Mais le problème, c'est qu'on ne veut pas les préparer à tout. Et tout le monde ne va pas devenir codeur, tout le monde ne va pas devenir designer du web ni intégrateur. Donc c'est un peu compliqué, effectivement. Et bon, elle s'est sentie un peu seule, mais heureusement, en fait, dans notre établissement, il y avait un certain nombre d'enseignants comme moi qui sont très à l'écoute des étudiants et qui les accompagnent, en fait, dans leurs problématiques. Donc elle nous envoyait des mails aussi, on pouvait l'aider. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident pour eux. Mais ça, c'est dû aussi à la représentation sociale. Donc il faut aussi arrêter de véhiculer l'information comme quoi les compétences numériques chez les jeunes sont innées. Ils naissent avec toutes ces compétences et on n'a pas, nous, en tant qu'adultes, de choses à faire. Et donc, là, il y a aussi donc l'école qui doit faire des choses, mais aussi les parents, puisque là, je travaille beaucoup sur le poids de l'environnement familial, sur les pratiques du numérique, et aussi sur la citoyenneté numérique. Hein, vous parlez de citoyenneté numérique, mais tout ça aussi, ça fait partie aussi... un peu des devoirs des parents. Alors je sais qu'il ne faut pas tout remettre, enfin, je pense que chacun a une part finalement à respecter pour aider ces jeunes finalement à entrer dans la vie du mieux qu'ils pourront dans la vie professionnelle. Voilà, mais on ne pourra pas pallier à tout, hein, ça c'est clair. Et puis le numérique évoluant tellement vite, voilà. Il faut rester en veille active, mais de toute façon, les savoirs, on peut les trouver n'importe où, mais je pense que c'est surtout la méthodologie, en fait. Voilà, c'est ça. Des façons de faire qui vont pouvoir les aider à trouver l'information au bon moment. Oui, vous avez parlé d'esprit critique. Je voulais vous demander si, pour vous, une définition de l'esprit critique, ce ne serait pas de savoir déjà ce qu'on est en train de chercher, de savoir... Enfin, voilà. Finalement, l'esprit critique, c'est être capable d'évaluer que ce qu'on est en train de trouver sur le net, c'est ce qu'on est en train de chercher. Or, si on sait ce qu'on cherche, on n'a pas vraiment besoin de le chercher. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Je suis un peu confuse. C'est pas, mais... Ça ne va pas forcément dans les deux sens. C'est-à-dire qu'effectivement, pour avoir l'esprit critique, il faut déjà savoir ce qu'on cherche, sauf que des fois, on sait ce qu'on cherche, mais on trouve tellement de choses qu'il va manquer cet esprit pour savoir quelle est la bonne source. Ouais. Donc, effectivement, il faut savoir déjà, c'est la base, hein, c'est toujours quoi, c'est pourquoi et pour quel objectif surtout, parce que suivant l'objectif, hein, finalement, le résultat ne sera pas le même. J'avais juste besoin d'une précision. Vous avez parlé dans les situations d'apprentissage d'essai-erreur. C'était juste pour savoir qu'est-ce que c'était en fait, parce que je ne sais pas. Finalement, on laisse l'apprenant face à ses propres décisions.
Donc il va prendre des décisions, et même si ces décisions ne sont pas bonnes, il va émerger des erreurs, et il va apprendre de ces erreurs. Et en général, l'apprentissage par ces erreurs laisse beaucoup plus de traces qu'un apprentissage qui se passe bien, puisque du coup, en général, vous incorporez vos erreurs et vous ne les refaites pas. Et c'est là que vous disiez le rôle de l'enseignant, on est là pour, expliquer pourquoi il a fait l'erreur. Sort plus, c'est là, vraiment les guider, leur expliquer pourquoi il y a une erreur. Et du coup, voilà, vraiment le rôle d'accompagnateur et de guide qui, je pense, est essentiel aujourd'hui avec les technologies numériques. Merci.